D'aujourd'hui? Non. Depuis le temps des temps, depuis l'époque du grand assassin, Léopold II, qui a exterminé plus de 10 millions de morts. Mais j'ai vu une affiche, un document là, sur le net que j'ai vu, où il paraît c'est dans les 30 millions de morts. J'ai vu, il y a un document sur cela. J'étais sidéré. Il y a un sérieux problème au Congo RDC. Comment un peuple Congo, un peuple béni de Dieu, ont pu laisser les envahisseurs venir occuper le terrain du Congo RDC? Je ne comprends pas. On va repartir avec Pablo. Pablo, qui chante Communauté internationale. C'est important parce que la communauté internationale, elle tue immensément. Elle ne respecte pas de vie. Hein? Et la femme n'est pas respectée en RDC. Il tue. On écoute Communauté internationale parce que c'est quand même aberrant. Communauté, communauté internationale, cette machine infernale qui me prend tout le moral. Communauté, 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 communauté internationale, cette machine infernale qui me prend tout le moral. Oui, la machine infernale de la communauté internationale s'est exécutée. Les citoyens Congo de la RDC, les décapités, ça leur fait plaisir. La RDC Congo est sous occupation barbare de toute la communauté internationale, 666 du sang. Oui, il faut dire la vérité comme elle est. Il n'y a pas que les Rwandais Tutsis qui ont envahi la RDC. Non, les Rwandais Tutsis ne sont que des moutons, des marionnettes, des petits préfets de cette communauté internationale du sang. Mais en première ligne, c'est la communauté internationale
les barbares qui ont pris le Congo RDC en otage. Pourquoi ils ont pris le Congo RDC en otage? Nous verrons tout à l'heure. La guerre au Japon, pour que les Américains gagnent cette guerre, ils avaient utilisé une bombe. La bombe qu'ils avaient jetée atomique là-bas. Mais ils l'ont fabriquée à l'aide de quoi? L'uranium du Congo RDC. Toutes les technologies dans le monde, en Europe, aux États-Unis et ailleurs, technologies des barbariens, ils ont pu développer comment? Leur pays, comment? Avec toujours la RDC. La RDC est l'esclave. La RDC, c'est une terre d'esclaves. D'après la communauté internationale, ils se disent que le sol de la RDC, c'est à eux. Nous repartons avec communauté internationale. Oui, on doit repartir avec communauté internationale. Doit garder tout leur fric et laisser notre continent, qui est l'Afrique, tranquille. Mais est-ce qu'ils sont prêts à laisser le Congo RDC tranquille? Pour qu'ils laissent le Congo RDC tranquille, c'est au peuple congolais qui doivent prendre leur destin en main. La peur amène que dans le chemin de l'abattoir. Voilà pourquoi les Rwandais Tutsis et les Ougandais massacrent les Congolais tout le temps. Ils les coupent avec des machettes, ils les violent et ils introduisent des bouteilles cassables dans la matrix de la femme. Ils violent des enfants, 5 mois, 6 mois, parce qu'ils se disent qu'ils ont le droit. Mais où est la CPI? Où est la CPI de merde? Où est la CPI qui est égale à l'apartheid? Ils sont repartant avec la communauté internationale. Et ma plume, je t'écrirai l'histoire de l'Afrique. Tu connaîtras mes origines, un peuple qui peut être libre. Oui, nous sommes un peuple libre. Libre à l'époque de nos ancêtres. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le peuple noir est un peuple libre? Non. La communauté internationale, elle a pris en otage ce peuple Congo, ce peuple Bantu, sont pris en otage. Ils ne sont pas pris qu'en otage en RDC. Ils sont pris en otage au Gabon, au Congo-Brazzaville, en Centrafrique, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Tchad, au Nigeria, au Ghana. Mais sauf que dans les pays anglophones, ils ne font pas leur barbarie parce que les Ghanéens ou les Nigériens ont les yeux grandement ouverts. Les gens colonisés par les anglophones n'aiment pas qu'on marche sur eux. La France, elle tue immensément en RDC parce qu'ils se disent qu'ils ont le droit. Ils ont le droit de tuer. Et qu'est-ce qu'ils font de pire? Ils sont en train de détruire le bassin du Congo. Ils coupent les arbres. Chaque jour, on coupe les billes dans la forêt, le bassin du Congo. Et il y a changement climatique, ils disent, hein? Mais ils sont en train de couper les billes. Ils coupent. Les Chinois coupent. Les Occidentaux, 666, ils coupent. Ils s'en foutent de la nature.
Ce qui leur intéresse, c'est le fric. Mais est-ce que cette communauté internationale a un cerveau? Mais le fric n'est qu'un papier. Le fric n'est que des visages et des cachets qu'ils ont mis et des signatures. Mais la communauté internationale, elle tue immensément au Congo RDC. Plus de 20 millions de morts, plus de 13 à 14 millions de femmes violentées sexuellement. Silence de toute cette communauté internationale. Oui, silence. Silence. Alors, premièrement, avant de continuer avec la communauté internationale, nous allons parler d'une chose très importante. L'Église catholique, l'Église des réveils est égale. Les mêmes jeux, les mêmes stratégies que la loge de France sataniste. Les mêmes stratégies que les Illuminati. C'est ça, les églises là. Église catholique, église de réveil. Ce sont des instruments pour faire endormir toute la population de la RDC. Car vous verrez du matin au soir, ils sont dans des églises. Hein? Ils sont dans des églises. Et dans des églises, il y a des cris. Hein? Alléluia! 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 Eux tous, ils sortent avec des bibles. Il y en a qui font des transes de PV, église de réveil. Ils ont des paniers immenses. Et le pasteur est devant, il veut que les gens lui disent bonjour et tendent des billets d'argent. Et pas mal de dollars, il met dans le panier. Hein? Église de réveil. N'est que église de la loge sataniste. Oui, c'est des francs-maçons. Des francs-maçons. Église de réveil à Kinshasa. Tous des francs-maçons. Oui. Pourquoi Alain Moloto a été tué? Parce que Hippolyte Kanambe n'aime pas les gens qui disent la vérité. Mais quand tu es là pour faire endormir le peuple, Hippolyte Kanambe ne va pas te déranger. Vous voyez? Les faux pasteurs en RDC, ils roulent dans des 4x4. Ils ont des affiches dans pas mal des secteurs des ruelles de la côte de la RDC. Exactement comme Kabila. Et Kabila et eux sont des amis. Ils vont voir Kabila à la présidence, ça rigole avec Kabila, ils prennent des vins, ils prennent du champagne avec le sang des Congolais. Et pendant ce temps, Kabila, il massacre. Il massacre parce que Kabila est épaulé par cette communauté internationale qui extermine le peuple du Congo RDC. Oui, la vérité doit être dite. Alors, la RDC au bord de la division, très dangereuse pour le Congo, très dangereux plutôt pour le Congo, ainsi que toute notre Afrique. Oui, car le malheur du Congo RDC doit concerner toute l'Afrique, car si nous tournons le dos à la RDC, nous nous sacrifions nous-mêmes le peuple africain. Le Congo RDC n'est pas la propriété du clan des Occidentaux 666 barbares. Mais pour que cela finisse, qui doivent arrêter cela? C'est le peuple congolais. Le peuple congolais doit se soulever. Le peuple congolais doit faire la révolution. Le soulèvement populaire. Oui. Tous ceux qui vont traîner dans des églises, ça ne sert plus d'être dans des églises. Il faut être dehors dans les rues. Oui. Voulez-vous boire de l'eau potable? Voulez-vous manger à votre faim? Soulèvement populaire. Obligatoire. Hommes, femmes, jeunes, jeunes garçons, jeunes filles. Et en même temps, vous avez des chiens, amenez vos chiens. Vous avez des bouteilles cassables. Mettez du jus à l'intérieur, de l'essence. Vous mettez des tissus. Vous avez des boîtes d'allumettes avec vous. Dès que vous voyez les hommes de Kabila,
vous allumez et vous balancez sur eux. Et vous récupérez les armes. Vive la révolution. Vive la détermination. Boma bakolabo. Oui. Boma bakolabo. Coûte que coûte. Kabila et le clan PPRD, tous des moutons de la communauté internationale du son. Peuple congolais, l'heure ne doit plus être grave pour vous, mais l'heure doit être grave pour ceux qui exterminent le peuple de Dieu. Oui, mais qui extermine le peuple de Dieu? Qui extermine la communauté internationale? Allez-vous continuer toujours à fermer vos yeux? Allez-vous continuer toujours à accepter d'être tué par cette communauté internationale? Non, il faut bouger. Il faut bouger. Téléma. Botelema. Feu dans toute la RDC. Cocktail Molotov. Botelema, peuple congolais. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre Jean-Pierre Bemba. Non. Non. Jean-Pierre Bemba, n'oubliez pas, il a travaillé avec Kabila à l'époque. Jean-Pierre Bemba a fongoli Nzela pour la balkanisation, pour la massacrer Bino et Bélé na Kinshasa. Bomoni, peuple congolais, il ne faut pas avoir une petite mémoire. Souvenez-vous à l'époque, Azo Salana Hippolyte Kanambe. Hippolyte Kanambe a pesakiye naba bato ya CPI. Bofongo la miso. Si koyo peuple congolais, eza Bino, il faut bo libérer mboka na Bino. Na soulèvement populaire. Surtout pas Bozela, Félix Tshisekedi. Non. Aza collabo. Aza opposant Yalibumu. Yalibumu. Azo Zela Kaka Alia. Mbongo facile. Félix Tshisekedi. Alingi Ayalanette Pepe Kali. Alingi. Aya la net pepe kale, boyo kangal, bozela Félix Tshisekedi te, peuple congolais telema. Il faut pas bobosana. Camarade Rossi baboma kiye, après babomi tata naye, peuple congolais fongola miso, bo telema na pungi. Vous dormez, mais si koyo il faut pas bolala, bo telema peuple congolais. Seul que la lutte qui libère. Net capitaine Thomas Sankara à Lobaki. Oui. Martin Luther King à Lobaki, j'ai fait un rêve. Mais j'ai fait un rêve à Lobaki que l'homme noir un jour sera libre. Mais Bino, il faut bon fongola, Misobo Loba, j'ai fait un rêve. Net Martin Luther King à Lobaki, il est temps que nous fassions soulèvement populaire. Action, soulèvement populaire. Tozela lissoussouté. Non. Soulèvement populaire. Boye ka frère Nabino, le tiers africain. Georges Passy Azolo Banabino. Botele ma peuple congolais. Révolution populaire. Soulèvement populaire. Ni yango eko libéré. Mboka nyoso na Kinshasa. Balkanisation. Ba viol, esclavagisme ya babana, tout cela va finir. Na révolution, na soulèvement populaire. Mais si koyo, bolingi soulèvement populaire, et si la, botelema. Ce qui botelimite, boza ba peuple bako boma. L'église est une arme de destruction mentale. Oui. Et loko yaba église, programme na bango, na Bible. Il faut ba sokola moutou. Ya moyindo. Ba sokoli bien moutou,
et comme ça, mental et baby. Ni yango bozo mona, na Kinshasa er bazo boma, bazo violé, bazo lo bakaka, tout kende na ba église. Et bazo salanini, na ba église. Alléluia! 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 Et bazo lo ba. Nzambe, nzambe, yaka, nzambe, nzambe, tolingi, oya, nzambe. Nzambe nini, nzambe apesaki bino matasi oui ou non. Poza ba peuple guerrier, peuple bantou oui ou non. Pour fonga la miso, bolingi nini. Alors sikoyo. L'église est une arme de destruction mentale. Est-ce que l'église catholique est ba église, ba églisette ou non? Et ça, ba églisette. Est-ce que ba koko yabiso, ba bantou, kala, ba so sambela, na ba église oyo, église catholique? Non. Peuple congolais, il faut bo fongo la miso. Église catholique, église des réveils, ba zaba franc-maçon, ba zaba Illuminati. Boyo kangaye. Ba pasteur ebele na Kinshasa. Bazo mema bakar 4-4. Climatisé. Peuple congolais azo souffrir. Bango bazo souffrir. Terre. Bazo lata. Ba costume cher. Ba basi na bango. Bazo lata bilamba cher. Bazo kende ko sala banzando. Hein? Na mbongo na bino peuple congolais. Bongo bozo pesa. Pendant ce temps, bino. Marmite na bino et sa vide. Rien. Pas de gombe, ni loso, ni pondou. Rien. Bofong la miso. Révolution populaire, soulèvement populaire, coûte que coûte, boyokanga. De toutes les religions. Toutes les religions bozo monan dans le monde. Est égal, même stratégie avec la franc-maçonnerie et les Illuminati pour détruire les êtres humains. Oui, les lots êtres humains azana valeur té. Les lots bazo boma, bazo boma, bazo violé. Êtres humains azana lissou té importance pona ba barbare occidentaux. 666. Babato mapé. Balinga kako. Kolia. Hein? Chère humaine. Balinga kako mela makila. Baza ba cannibale reptilien. Baza ba avatar. Bofongo la miso. Peuple Congo. Peuple Congo. Boma ba kolabo. Boma ba multinational bazo boma bino chaque jour na kati ya mboka RDC. Bote les mains. Si koyo coûte que coûte. Boloba bino nyoso. Boma ba faux pasteur. Boloba bino nyoso. To boma ba faux pasteur. Karni bango bazo pesa. Hippolyte Kanambe alias Kabila. Mutu. Mutu menene pona aboma peuple Congo. Sikoyo ifubo boma. Hippolyte Kanambe alias Toufi Toufi, champion taximan. Il faut boma. Le message est clair. Oui, peuple congolais. Justice est égale ba lobby na RDC. Hmm? Justice, paix, travail. Non. Bazo kosabino. Justice ezate na Kinshasa. Bazo bomana. Bazo violé. Wapi justice wana. Justice eza wapi. Balobi justice paix travail. Ya solo. Ya solo te peuple congolais. Bazo kosabino. Justice ezate. Bazo violé. Bazo bomabino. Bazo tikabino nanzala. Bazo pesabino mayi potable te. Justice est athée. Quel peuple congolais? Justice est athée. Justice pour na bango. Na ba document. Il y a loi na RDC. Justice pour na bango est athée. Boma.
Boma peuple congolais, bo violer peuple congolais, oyo eza justice na bango. Mais justice paix travail, ça n'existe pas na RDC. Peuple na bango eza plus de dictature na katia mboka RDC. Travail pour na bango eza boma peuple congolais. Boma peuple congolais chaque jour. Bongo ya RDC eza bongo ya peuple te. Eza bongo ya Kabila na baba na clan na ye PPRD. Na ba opposant ya Libumu. Peuple congolais bofongo la miso. Justice, paix, travail, et ça y a soloté. Ça n'existe pas. Et ça n'existe pas. Pour Nabango, coûte que coûte, il faut ba politique, ba yala bien, ba vivre malamo. Mais peuple congolais a koufanzala, a koufana ba zordure, a koufana paludisme, a koufana ba bal. Bazo betaye na mutu ni yango balingi peuple congolais telema sikoyo avant na continuer au pito kota la ba vidéo il faut d'abord toyoka communauté internationale c'est parti communauté internationale cette machine infernale qui me prend tout le moral Communauté internationale, cette machine infernale qui me prend tout le moral. La maman pleure quand son enfant meurt, l'enfant pleure quand sa maman meurt. Bombardé par l'Organisation des Nations Unies. Oui, organisation, il y a Nations Unies. Bazo bomanakati ya RDC, bazo bwaka ba bombe, bazo boma bango, hein, tout le temps, net ba, ba gibier, ba, ba ba ba, ba ba, bazo boma bango. Oui, communauté internationale, bazo boma peuple congolais, hein? Bazo violer bango, hein, chaque jour, bazo violer, bazo kata bango. N'a pas machette. Oui, communauté internationale. Toyoka, communauté internationale. Pour des victimes au Rwanda, pour des victimes en Côte d'Ivoire, pour des victimes au Libéria, des victimes en Angola. Oui, communauté internationale, Bazo Boma et Belé na Katiamboka RDC. Trop de victimes. Mais est-ce que. Communauté internationale la Zoloba, il faut totika likambo wana, non. Balingi ba effacer 80 millions yaba habitants ya RDC. Balingi ba bomabino nyoso. Mais si ko le peuple congolais, il faut bozoa rythme ya kanda. Rythme ya kanda. Kanda. Boboma bango. Boboma ba collabo boboma ba s'occupant na bonka na bino RDC ezamboka ya bino RDC ezamboka ya communauté internationale te RDC ezamboka ya ba belge te peuple congolais Belgique bazo zwa ba décision ya ba vote est-ce que bino bozo lo bana Belgique sala boye mais pona nini ba bato bazo ko benga politicien hein? Mais eza politicien te eza politique ya nzala pona nini bazo kende na Belgique bazo sala ba conférence bazo lo ba ba projet balingi ba sala pona RDC bazo lo ba biloko na bango ba bato ba bomaki Patrice Lumumba Bobosani que Bango Babomaki Patrice Lumumba posa la mémoire courte
Bobosani ni bango bati Jean-Pierre Bemba, complice ya Hippolyte Kanambe na kati ya CPI. Bobosani ni bango ba bomi Rossi na tata na ye ba bomi pe peuple congolais. Bozana mémoire courte, mais si koyo bino nyoso bozo lo bali sou te Rossi. Bozo le balisse souté, Rossi sacrifié, bye bye. Papa ya Rossi, akoufi, bye bye. Siko yo bobo sani, mes peuples congolais. Boza ba peuple, ni. Boza ba peuple na moutou, ou boza ba peuple perdu. Na lingi na yoka, peuple congolais, nini. Bati bino gaz, bati bino ba puce, na moutou, balali bino. Hein? Esprit nabino et lali, mais peuple congolais, beauté nema. Toyo kananu, communauté internationale. La communauté internationale, pour des Libyens, pour le paix, pour les biens, et la terre des Africains. Communauté internationale, cette machine infernale. Oui, machine infernale y a communauté internationale. Pour na bango, il faut ba boma ba peuple congolais. Il faut ba violaka ba basi chaque jour na RDC. Il faut ba boma, il faut ba kata. Ba kata moto na Congo Brazzaville net bazo kata. Mbisi, net bazo kata, cabri, peuple congolais, bosali nini, il faut botter les mains. Si koyo coûte que coûte, boma bango nyoso, boma ba occupant, boma ba collabo, oui, bajoui bino na otage. Pona bango, il faut ba boma bino. RDC Zamboko Yabino, Bokena Mbokali Susute, non. Bokena Mboka Yabato Mususute, non. Bozana Katia RDC. Congo Ezandako Yabino. Congo ni place Bobotaki. Ba parona bino, ba botaki bino. Me bazo boma bino. Peuple congolais. Conscience nabino. Eza conscience yanini. Kaka kokende komme la masanga. Kobina na babar na Kinshasa pendant ce temps bazo boma na Kasai ba fosse commune étendi na Kasai bazo boma na Kivu bazo boma na Beni bazo boma na Goma. Peuple congolais, mutu na bino e fonctionnaka, oui ou non? Mutu na bino e fonctionnaka, oui ou non? Bolingi kaka koyela ba kolabo, $100, $200, ba politicien bazo pesa bino, peuple congolais, bote les mains. Bolingi bango bayela ba sac ya loso, na ba deux poulets ou un poulet bazo pesa bino, pona bo kende ko élire bango, mais so ki bozo continue negwana, bako boma bino de plus en plus belle, peuple congolais. Bobosani, Laurent Désiré Kabila, vrai président congolais, vrai bantou congolais, baboma kiye, parce que ye alingaki asala biloko nyokso malamu pona bino, mais peuple congolais, il faut bofongola miso, hein, bofongola miso, balingi ba efface bino na katia RDC, balingi ba violente bino chaque jour, pona nini, cobalt. Coltan, tantal, uranium, diamant, or, biloko nyoso, RDC et tondali, naba minere, bango bazo yiba chaque jour. Tomoni, tokomona tout à l'heure, ba reportage, ba kam, ba véhicule, hein, américain, bazo soa ba ton et de ba ton, yaba minere, bazo kende, direction Kigali. Kigali après badiète bazozo ba minerai et zokende
Tchala, Europe, Mosusu, America, oui, USA d'Amérique. Ezo kende na Corée du Nord, Corée du Sud. Ezo kende na ba Inde. Oui, tout à l'heure na kotia bino ba image. Na Inde, bazo fabrique ba tablette, iPad. Na Inde, bazo fabrique ba téléphone portable, smartphone. Na Inde, bazo na ba entreprise ya minene, na moni ba photo wana, na kotia tout à l'heure na Facebook. Eh, peuple congolais, pendant ce temps, tiana, bazo fabrique, bazo na ba entreprise ya minene, bazo fabrique ba smartphone, iPhone, Samsung, biloko nyonso bazo sala kuna. Mais na Inde pe bazo sala la même chose. Ni yango bazo bomabino. Eh, peuple congolais, bozo la la pongi, bolingi toujours bo la la pongi, bolingi toujours bo kende na baba komela, eko drague ba petite chouchou. Mais boza peuple ndenge ni. Bozo souffrir. Deux fois yo mobali ozo kende na bar na na bar pono obina pono luka papasi. Mais oza kaka na père moko ma papa moko ozo tia 24 heures sur 24. Oza kaka peut-être na deux pantalons na deux chemises. Mais peuple congolais, bolingi bo vanda na pauvreté tout le temps. Pendant que Mboka Nabino et Tondali n'a pas richesse, Bolingi bo souffrir, Bolingi bo yalaba, ba cabri, bo tele ma peuple congolais, toyoka communauté internationale. Très important. Communauté internationale, c'est machine internationale qui me prend tout le moral. Oui, communauté internationale. Ezo sakanate, bazo boma, bazo kata, e balingi yango, balingi stil wana e vandala katia RDC. Mais, kala na lobaki na ba peuple, ya ba Afrique mosusu, intéressez-vous ya situation ya RDC. Parce que RDC est fongola, est clé pour la libération de toute l'Afrique. Ce qui RDC est vandali kaka na ba système ya occupation ya ba communauté internationale du son, toute l'Afrique et que vanda toujours nasi. Mais Congo RDC, mboka wana ba ko libérer yango. Oh, décollage de toute l'Afrique. Afrique okobima na ba pauvreté nyoso. Afrique bako kunda ba université, ba collège, ba hôpitaux, ya hôpitaux net na Europe, net na Amérique. Mais ce qui RDC a toujours sous occupation, bato nyoso na lopango ya toute l'Afrique bako koufa. Oui, bako boma. Parce que Bomoni, non, Bomoni, Jupiter Macron, a fongoli porta minini pour Kagame Aï. Girafe Kagame, moto azo boma peuple congolais. Et Emmanuel Macron a quitté, Nokia, pour na asimba camarade naïe, pour na aloba merci pour na mosala. Merci aux autres la vraie mosala na katia RDC. Koboma babato. Merci. Ni yango France azolo bana Paul Kagame. Hein? Naba image. Moni Paul Kagame azo sa la petit sourire. Et aza président ya l'Union africaine. Mais l'Union africaine eza kaka l'union de la mort. L'Union africaine eza kaka l'union ponaba bomaba africain. La vérité doit être dite. Hein, peuple congolais? Sikoyo, tokomona, likambo bazo sala na kati ya RDC. C'est parti, hein?
Sikoyo nazolo banabino na RDC. Spiritualité ezo boma RDC. Sikoyo il faut botika. Hein? Botika likambo wana. Bible. Bible. Botika likambo ya ba église. Sikoyo il faut bozwa ba cocktail Molotov. Hein? Pona bo boma ba kolabo. Pona bo boma ba occupant na RDC. Oui. Coûte que coûte. La patrie ou la mort. Le peuple doit se lever. Boyo kangai. Bazo boma bino chaque jour. Et pas inanga la Congo Brazzaville ba bomia et belé na le poule. Botele ma peuple congolais. Bo kata, bo sala mosala. Parce que ba bomi bino et belé. Et bazo continuer. Bazo sala mosala. Ko boma, ko violé. Bana, basi. Kala, heure bas ancêtres bantou ya biso. Heure ba rwandais bazo ya ko yi comment on appelle ça? Les moutons. Moutons na ba cabri. Bazo kende na Rwanda na yango. Ba congolais ba ancêtres ya biso. Bazo landa bango. Bazo zwa ba animo ba bête na bango. Et bazo zonga na RDC na yango. Ni yango biloko nyoso Rwanda ayibi. Un RDC ko libéré. Rwanda ako futa nyoso azui na RDC. Ingeta. Tokota la sikoyo. Manière bazo boma na RDC.
bazo boma tout le temps na kati ya RDC. Mais ce qui beauté limité, ce qui beauté limité, bako salani, bako boma bino tout le temps encore de plus belle. Il faut beauté les mains. Il faut beauté les mains, peuple congolais. Parce que, but na bango, il faut pas effacer bino na kati ya RDC. Oui, et ça but na bango. Mais, est-ce que beaucoup de tika bango, ba boma bino, est-ce que beaucoup de tika yango? Non. Il faut beauté les mains. Si ko yo to kotala. Ils ne savent pas que c'est le coltan du Congo qui a rendu tout cela possible. République démocratique du Congo. Population, plus de 70 millions d'habitants. Espérance de vie, 47 ans. Superficie, 2 340 000 km². Capitale, Kinshasa. Président élu en 2011, Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Président actuel en exercice supporté par les multinationales, Joseph Kabila, d'origine rwandaise. La plus grande réserve écologique et minéralogique, 80% de la réserve mondiale. Qu'est-ce que le coltan? Beaucoup le définissent comme l'or blanc du 21e siècle. Coltan est l'abréviation du minéral Colombo. Il s'agit d'une ressource stratégique essentielle au développement des nouvelles technologies. À quoi sert le coltan? Le coltan sert à la fabrication de téléphones portables, GPS, satellites, armes téléguidées, télévisions, plasma, consoles de jeux vidéo, ordinateurs fixes et portables, PDA, MP3, MP4, fusées spatiales, missiles, jeux électroniques, appareils photographiques, appareils tactiles, iPad. Où se trouve-t-il? En Thaïlande, 5%, au Brésil, 5%, en Australie, 10% et en Afrique, au Congo, 80%. D'où la réticence des Occidentaux de mettre fin à la guerre, car les Congolais reprendraient possession de leur coltan qu'ils vendraient plus cher. Qui s'enrichit avec le coltan? Nokia, Connecting People, LG, HP, Lenovo, IBM, Samsung, BlackBerry, Sharp, Nintendo, Scandisk, communément appelé SD, Intel, que vous voyez sur vos processeurs, Motorola, Apple avec les iPhones et iPad, Acer, Philips, Canon, Sony Ericsson, Dell, Toshiba, Microsoft, dirigé par Bill Gates, Panasonic, Elf et Total. Allons voir ce qui se passe dans une mine. Comment extrait-on le coltan? Les méthodes de travail sont semblables à celles des chercheurs d'or de l'Ouest américain du 14e siècle. Comme vous le voyez, la plupart des travailleurs sont des enfants suffisamment maigres et petits pour pénétrer à l'intérieur des mines et extraire habilement un maximum de coltan en un temps réduit. Un bon ouvrier de coltan produit 1 kg de coltan par jour. Salaire d'un ouvrier congolais en moyenne 10 $ par mois. Le boom récent des nouvelles technologies a fait bondir le prix du coltan à 500 $ le kilo. Qui travaille dans les mines? Des jeunes agriculteurs et éleveurs qui laissent leur territoire à cause des guerres à répétition. Des milliers d'enfants congolais, dont le corps peut facilement se faufiler dans les mines toujours surveillées par des soldats rwandais armés ou de la MONUSCO. Conséquence de cette situation. Forêts et champs se transformant en marécages, autrement dit la déforestation. Des garçons et des filles qui ne vont plus à l'école, l'illettrisme et l'aliénation. Manque d'eau potable, dénutrition, contagion, travail exténuant, prostitution, sida, conséquences, maladie, résultat, la mort. Des groupes armés contrôlent les mines. Chaque kilo de coltan implique la vie de 2 petits enfants. Beaucoup d'enfants et jeunes meurent à cause d'éboulements épouvantables. Autre conséquence de cette situation, des milliers de déplacements forcés, exodes et dépeuplements. Des milliers de gens qui fuient leurs habitations. Des milliers de réfugiés. Violence des adultes. Viol sur femmes, bébés de 3 mois et jeunes filles. Conséquences sur le territoire national. Pour extraire le coltan du Congo, les parcs nationaux ont été envahis. Les ouvriers du coltan travaillent de l'aube au coucher du soleil.
Ils mangent et dorment dans les terres sauvages des montagnes. Ils ne cultivent plus la terre. La population des éléphants a diminué de 80%, espèce en voie de disparition. La population des gorilles a diminué de 90%, soit la quasi-totalité. Qui finance ce désastre? Un rapport des Nations Unies a dénoncé l'exploitation des ressources naturelles du Congo. Il existe des rapports qui démontrent que le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi sont officiellement impliqués dans le trafic du coltan au Congo RDC. D'autres pays, tels que la Belgique, les États-Unis et la France, utilisent les profits du prix élevé du coltan pour alimenter la guerre au Congo. On estime que l'armée rwandaise a reçu au moins 250 millions de dollars en 18 mois grâce à la vente du coltan, même si le Rwanda ne possède pas de coltan. Mais l'opinion internationale accepte que les ressources du Congo soient volées et recelées. Évidemment, tous les pays impliqués nient avoir exploité les ressources naturelles du Congo. Pourquoi devrait-il arrêter la guerre? Des sociétés multinationales de renom, comme Nokia, Alcatel, Apple, Nikon, Sony Ericsson, Samsung, Bayer, Dell et autres, sont signalées dans le rapport des Nations Unies comme pillards. Ils financent les guerres et soutiennent les gouvernements corrompus, comme celui de Kagame, de Kabila, d'Ali Bongo et autres maîtres de guerre. Pourquoi ne veulent-ils pas arrêter la guerre? Parce que les principaux producteurs d'ordinateurs, téléphones portables, jeux vidéo et d'appareils tactiles ne veulent pas que cette guerre cesse. Avec le consentement des gouvernements, les médias se gardent d'en parler. Résultat, aucune information ne parvient aux populations à ce sujet, malgré les différentes actions de mécontentement. Si les guerres cessent, ils ne feront plus affaire avec le coltan. Peu importe s'il y a déjà eu plus de 8 millions de morts. On a parlé de l'Holocauste, suite au massacre de 6 millions de juifs sous le régime d'Hitler. De quoi doit-on parler aujourd'hui au Congo, sous le terrible silence de l'opinion internationale? Obama, le Vatican, la France, quel curieux silence! Que peut-on faire? Ou plutôt, que pouvez-vous faire? Mieux informer le monde. Faites circuler cette vidéo à tous vos contacts. Dénoncez cette réalité. Diffusez ce que l'on sait déjà. A-t-on besoin de changer de téléphone portable tous les ans? A-t-on besoin de gaspiller autant? Pourquoi jeter ce qui n'est pas utilisé? Offrir un téléphone non utilisé, le déposer dans les points de récolte pour recyclage. Et surtout, savoir que dans chaque téléphone, il y a au moins 2 vies d'enfants perdues. 10 pour les iPhones dans le monde. Et toi? Et moi? Tiens-toi informé. Diffuse ce que tu sais sur tous les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Twitter et j'en passe. Dis-le à tes amis, à ta famille. Un futur sans pauvreté ni marginalisation dépend aussi de toi. En conclusion, le Congo, un pays immensément riche, vit dans le dénuement. Le Congo est saigné par la cupidité des multinationales et en collision avec le gouvernement. Notre progrès et notre aisance dépend aussi de leur pauvreté. Voilà.
Et puis que point zéro, ben d'accord. Ballon de l'impact. Voilà. Sikoyo, il faut plus ba congolais baloba Kabila assassin au Congo. Non. Sikoyo, il faut baloba. Sikoyo, il faut baloba. Communauté internationale. Assassin au Congo. Sikoyo, il faut ba combattant, na ba résistant, ba loba. Communauté internationale. Assassin au Congo. Communauté internationale. Violeur au Congo. Communauté internationale. Buveur du sang des Congolais. Oui, il faut ba loba Negwana maintenant. Oui. Votez-le, ma peuple congolais. Révolution. La Katia à France. Bah, c'est là qui est révolution. Hein? Oui. Il faut botter les mains. C'est un film amateur tourné au début de la Seconde Guerre mondiale, en pleine bataille de juin 1940. Une colonne allemande progresse sur une route de France, au milieu des réfugiés. Quand soudain, une jeune Française se laisse embrasser par l'ennemi. Il y a aussi cette séquence dérangeante, tournée dans une caserne de la Sarthe, avec ses militaires allemands et français qui fraternisent, en pleine occupation. Ou encore ces images de soldats et de civils qui se sourient et semblent s'apprécier. Allez voir, l'occupation de la France par l'Allemagne aurait été légère, et même douce. Ces films privés, jamais montrés au public. Nous les avons découverts chez des collectionneurs et des particuliers des deux côtés du Rhin. Que nous disent-ils de neuf sur l'occupation? Quel sens leur donner? En apparence anodin, ces films nous montrent un autre visage de la guerre. Pour tenter de les comprendre, nous les avons visionnés.